Yop tout le monde, c'est Melorsat, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, c'est là pour la deuxième fois. Donc aujourd'hui on va se retrouver juste pour faire les petites récompenses. Donc vous voyez que je peux récupérer mes récompenses de Clash Equipe, Division Rival, j'ai pas joué. Si vous m'avez vu en live, vous avez vu que j'ai vraiment pas joué. Vous voyez que je suis Division bah 10 quoi, je suis vraiment tout à la fin. Donc là je vais ouvrir les Clash d'équipe sur cette vidéo là. Si vous voulez je vous montre mon équipe vite fait. Donc pour l'instant elle est vraiment pas ouf, j'ai fait de la merde hein. Ce week-end j'ai joué un peu et tout, j'ai acheté des petits joueurs et tout. Bon c'est plus basé sur une française hein. Du coup vous avez capté, j'ai acheté pas mal de jouets, mais Hernandez que j'avais en prêt je l'ai joué, je l'ai juste kiffé en fait. Moi j'ai pas joué en ligne encore, si j'ai fait deux games en ligne mais je les ai quittés les deux, du coup ça m'a pas compté de défaite ou quoi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, soit je mets Alexandrini ou soit je mets Lacazette et Dembélé, mais là le trio offensif est plutôt correct. Mais le truc c'est que j'étais obligé de jouer cette compo là en 4-2-3, en 4-1, ouais on va dire en 4-3-3, on va dire comme 4-2, 4-3-1-2, non 4-3-1-2. Bah il y a écrit en plus 4-3-1-2, je suis un peu con, j'ai pas vu. Donc voilà. Donc les joueurs, je vais pas vous les présenter, vous les connaissez, hein, Dagba, Julien, Gradit, Hernandez, Doucouré, Malsa, Tsouameni, Lacazette, Nkunku et Dembélé. Et au gardien, j'ai voilà pour le moment. Donc l'équipe est pas folle, mais j'ai quand même fait 10 games en clash d'équipe du coup. J'ai perdu 2 games d'ailleurs, et j'en ai gagné 8, logique. Du coup j'ai quitté le jeu et j'ai pas joué hier quoi. Donc on va aller directement dans clash d'équipe. Donc vous voyez que je suis hors 2 seulement. Donc ça me donne 6000 crédits, un pack prime joueur mélangé et un pack jumbo premier or. Donc voilà, on va s'ouvrir ça tranquillement. Et là vous voyez qu'il y a de nouvelles équipes qu'on peut affronter. Donc pour aujourd'hui il y a l'équipe de Kylian Mbappé. Donc avec du Zidane, Ronaldo, Thierry Henry, Pogba, De Bruyne. Sergio Ramos, Ter Stegen, Davis, Van Dijk et le petit Alessandro Arnold. Et sur le banc, frère, il y a Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldinho, Daylight, Kanté. Et le petit Alisson. Donc en vrai il y a une équipe assez sympa. Bon je vous montre mais ça sert à rien. Une deuxième équipe ici qui est un peu moins forte avec le duo suédoise Zlatan et Isak. Bon, je vais pas vous les présenter mais l'équipe là bah, tu l'affrontes en pro si t'as une petite équipe comme moi. Celle là aussi tu peux l'affronter en pro ou même en champion, ça dépend de ta difficulté de enfin ton niveau de jeu sur le jeu. Celle-là aussi, moi je les ferai en pro hein, si je dois les faire. Bon, je dois partir aujourd'hui, je fais un petit erreur, mais voilà. Et cette équipe-là, bon, elles sont plutôt pas mal les équipes. Enfin bref, du coup, je vais vous montrer déjà ce que j'ai réussi à faire dans le club pour le moment. Bon, je vous avoue, j'ai pas pu faire grand-chose. J'ai fait un peu d'objectifs. Je vais vous montrer les objectifs basiques. Hein. On va aller dans fondation d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu. Donc j'ai fait pour le moment le truc solo, donc affronter les trucs clash et tout. J'ai fait le truc collectif avancé, le truc collectif de base et les bases. Après le truc en cup, bah, j'ai pas d'amis donc je peux pas le faire. Amical, bah, j'ai essayé mais j'ai quitté, ça m'a saoulé vu que vas-y c'est trop compliqué. Sac, les trucs défi création d'équipe, bah, je peux pas le faire vu que j'ai pas assez de joueurs. Et le marché des transferts, bah, j'ai listé et acheté. J'ai acheté 7 sur 10 là, mais en soi j'ai acheté plus que 7, c'est sûr. Et listé, bon bah je suis que à 4. Mais parce que j'ai en fait, tu vois, avec ces récompenses là, ils te donnent des packs, mais c'est invendable. Du coup, je peux pas lister de joueurs. Dans le palier, pareil, j'ai fait un peu de trucs aussi, je pense. Enfin, pas beaucoup pour le coup. J'ai fait un truc là, c'était faire 25 passes décisives. Donc voilà, avec des joueurs or, donc c'était assez facile. Les packs, je les ai pas gardés, hein, je les ai ouverts pendant le live. Pour ceux qui veulent regarder la rediffusion, elle est disponible sur Twitch. Donc là c'était remporter un match classe d'équipe en pro, bah c'était facile. Marquer un tir de volet, reprise de volet en clash, bah j'ai réussi aussi. Tir en impulsif et ballon piqué. Il manque plus que remporter 15 matchs en champion. Et marquer un tir à 100 en pro minimum, donc voilà.
Développement, ça j'ai fait, mais ça c'est des trucs de merde vu que ça donne que des trucs genre des typhons ICO, des noms de club et tout, donc c'est pas vraiment ouf à faire. Et puis voilà. Et dans objectif comme ça, je crois que j'ai rien fait. Enfin, si là j'ai un peu commencé, j'ai fait en finesse clash et tout, mais en ligne j'ose pas jouer en vrai avec mon équipe que j'ai et en plus je suis trop nul. Donc voilà, j'ai fait un peu des trucs, donc ouais, tac tac tac. Mais ça donne pas de récompense intéressante. Bon, bref, je vais pas vous montrer plus que ça vu que ça sert à rien. Donc, on va s'ouvrir les deux petits packs vu qu'il y en a que deux. C'est un peu dommage, mais voilà. J'espère avoir quand même un petit truc d'intéressant dedans. Donc, j'ai 12 000 crédits. Donc, en soi, là, c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai un pack Jumbo Premium Or. Donc, il y a 24 éléments dedans avec 7 rares. Donc, c'est plutôt intéressant. Et là, il y a 4 or, 4 argent, 4 bronze, dont 6 rares. Donc voilà, on va commencer par celui-là, vu que c'est le moins bon. Moi, bon, c'est vraiment une petite vidéo hein, pour vous montrer, d'accord. Oh, un petit Coutinho, donc c'est pas mal. Est-ce qu'ils sont vendables ces packs-là ou pas? C'est ça la question. Oui, ils sont vendables, ça c'est cool. Donc ça c'est cool. Donc je vais lister tout ce qui est argent et tout, au moins ça me fait le défi. Donc le prix je m'en fous un peu. Je pense qu'il va alors vraiment pas cher ces joueurs là. Ouais c'est ça, hein. Je vais les mettre genre... Ouais, je vais les mettre à 600 vu que j'en ai quand même vu un pas cher. Ouais lui je peux le mettre à 300 aussi. Il faut lister pour le défi donc vas-y je vais lister au max. C'est quoi, je vais les mettre tous à 300. On s'en fout un peu. Pire, je me fais douiller des crédits, c'est pas très grave. Mais tu vois, ça les compte même pas. Ouh. Lui, il vaut quand même un petit peu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. Ah, quoique, il vaut que 400. Il faut faire bien gaffe au prix des joueurs rares comme ça. Wow, lui, tu sais quoi, je le mets à 200, frère, rien à foutre, c'est juste pour lister. J'ai toujours pas fini là. Je lise des joueurs là, non? Lui il a de bonnes stats, il est brésilien. C'est quoi les comme ça, je vais les garder. Vu que là il y a pas mal de brésiliens, je vais pouvoir faire peut-être le truc de nation avec le défi création d'équipe où il faut pas mettre que des trucs de pays là. Donc c'est plutôt pas mal. Et le deuxième pack. Ouais, Pérou. Ouais, ça va être Carrillo qui joue dans la Ligue Arabie Saoudite, donc je sais pas quoi, donc ouais. Donc Pérou, Espagnol, il y a deux Espagnols, ça peut être intéressant. En plus, ils ont les boucliers, donc ça c'est intéressant. Italien, contrat, contrat, contrat. Un petit doublon, un petit canonnier. Est-ce que ça vaut, oui, ça vaut ces petits trucs là? Oh, il y en a même pas. Hein. Oh, ouais, super. Et moteur? Il n'y en a pas non plus, énorme. Bon, ouais, je vais garder tout ça. Ça se vend, ça, genre? Je vais le mettre à 600. Bon, du coup, j'ai fait que deux packs, mais voilà. J'ai 12 000 crédits, donc la prochaine fois je vais pouvoir faire une petite draft. Est-ce que je fais quand même un petit match avec vous vite fait? Il est parti à 300 instants, j'aurais pu le mettre plus hein, peut-être. Donc on va aller dans objectif, voir si ça a fini un objectif. Normalement oui. Hein. Ou au pire, j'améliore un peu mon équipe, qu'il me faut que j'achète 3 joueurs, j'en achète 3 vite fait et ça finit mon... Acheter 3 joueurs, tu vois encore. Donc là, peut-être j'achète 3 joueurs et je finis ça. Le truc, c'est que ça donne rien, tu vois. Ça donne juste des crédits, des trucs comme ça. Donc ça donne pas de pack ou quoi. Mais bon, ça peut me lancer un peu en crédit. Mais bon, si j'achète des joueurs, j'en perds. Donc c'est pour en regagner, c'est un peu con, tu vois. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse comme truc. Oh, survie, il y a Griezmann quand même. Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon équipe? Bah, en vrai. Mon défenseur droit. Ah, elle est bien l'équipe comme ça, je trouve elle est pas mal, tu vois. Après, faudrait que je l'améliore, tu vois. Il faut que je mette des latéraux ou quoi. Avec cette compo là, j'y arrive pas trop hein, le 4-3-2-1. Surtout si je tombe contre un 4-3-3, bah je suis fini quoi. Vu que c'est des latéraux
qui sont plus hauts que mes milieux, donc c'est chaud. Mais ouais. Un 4-3-3, pas. Et ouais, un 4-3-3. Bon, il est quelle heure là? 10h. J'ai envie de faire un petit match quand même. Mais un match en. Ah, j'ai envie de faire un petit match amical quand même, mais je vais encore perdre donc c'est chiant. Non, je vais pas faire. Bon, vous savez quoi, je vais pas faire de match pour le moment parce que voilà. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais que je fasse les prochaines fois, tu vois. Bon, pas cette semaine parce que je pense que je vais pas être là et je vais pas prendre ma console avec moi, mais genre voilà. Un objectif, je vous montre vite fait. Non, pas un objectif, c'est pas ça que je voulais montrer. Je vais quand même finir pour vous montrer un petit truc en création d'équipe là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le moment, mais ça donne que des packs bronze ou quoi donc. D'ailleurs, ils ont remis des petits joueurs. Hein. Ils ont mis André Silva et Anderson Talisca en joueurs à surveiller. Donc voilà. Et c'est voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai fait les fondations. Pour l'instant, j'ai fait en avant et c'est parti pour l'instant. Les autres, j'ai pas réussi. J'ai commencé celui-là, mais le truc, c'est que en fait, celui-là, c'est avec le défenseur gauche, le MDC et le DC. Mais en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais le problème, c'est que il faut avoir le bouclier pour qu'il a 10 de notes, tu vois. Par exemple, là, je voulais mettre, par exemple, lui ou lui. Bah, je peux pas, vu qu'en fait, ils ont tous les deux le bouclier gris. Mais il faut qu'il soit vert. Donc, en vrai, il faudrait que j'arrive à trouver une combinaison avec que des Espagnols, par exemple. Je sais pas si j'ai ça. Mais il faut pas qu'ils soient dans la même ligue, c'est ça le truc. Il faut des championnats différents, tu vois. Donc là en soi c'était parfait, tu vois, j'avais un Ligue 2, un mec de je sais pas quelle ligue là, écossaise et tout, donc voilà. Tu vois, espagnol ça serait que de la Liga, donc je peux pas, tu vois. Je peux pas. Je vais essayer vite fait, mais je crois que l'autre c'était aussi un Liga, donc. Bah ouais, c'est encore Liga, tu vois. Ils vont être tous Liga, donc espagnol c'est chaud. Mexicain, bah ils vont être tous de la Ligue mexicaine, tu vois. Tous les trucs à chaque fois que je veux faire, bah ça pose problème. Ah, quoique, je peux tenter. Je mets lui. Je mets lui. Ça fait 10-10-10. Et là, un DC espagnol, je crois pas que j'ai. MDC espagnol, non, j'ai pas. Ouais, tu vois, ça pose toujours problème. Et si je mets un MC, bah, il lui manquerait la note, tu vois. Donc, je vais regarder si j'ai pas un MC en espagnol, mais. Je vais là, mais il est MD, donc c'est pas possible. Mata, il est Mata, mais il est MOC, donc ça marche pas. Il faudrait que je mette deux changements de poste si je mets Mata, donc c'est chaud. Ah, mais ça, mais il est en Ligue truc, lui aussi il est en Liga, tu vois, ils sont tous en Liga, donc ça va poser problème. Lui aussi il est en Liga. Lui il est en quoi? Il est en Ligue 2 lui. Je peux le mettre, mais il aura que 8 ou 9, non? Ouais c'est ça, il aura que 9. Donc là il faudrait que je lui mette un changement de poste et je crois que j'en ai pas et ça coûte cher. Ça coûte très cher en vrai, ça coûte dans les 1000 je crois. 1006, 1006. Je peux le tenter là, pourquoi pas 700, ça peut être intéressant. Ah bah non, il est cash passé à 800. Eh, vous savez quoi, nique sa mère. Hein. Mais de quoi? Mais gros, je l'achète et il me dit. On sait quoi, je vais briser tes rêves, toi. Mais je viens d'en acheter un, il se fout de ma gueule, quoi. Hop là. Voilà. C'est bon, je peux le faire. Bon, du coup, avoir dépensé 1000. Mais je sais pas combien pour ça, c'est un peu con, mais. Hop là. Voilà. Bon, du coup, j'ai deux packs, mais c'est que des packs de merde, tu vois.
Ah cool, il est parti à 400 mon joueur bronze. Bon voilà ce que j'ai réussi à faire, mais du coup il faudra que je fasse les autres trucs aussi. Bon pour l'instant j'ai vraiment rien fait, tu vois, je suis vraiment nul. Oh, oh mais c'est un joueur de près 80-85, c'est dommage. En plus, c'est invendable. Donc, William, encore un Brésilien. Donc, ça peut être intéressant si je veux faire un machin défi création d'équipe là. Et que des Brésiliens, ça peut être intéressant. Bon, j'ai une année. Bon, ça pue la merde. J'ai eu 1000 crédits quand même. 1000 crédits, c'est intéressant. On prend. Un petit Nani, ça peut être intéressant. Un test quand même. Mais il joue en MLS, donc c'est chaud. Moi j'ai de nouveau mes 12 000 du coup, donc j'ai pas trop perdu dans l'histoire. Donc voilà pour le moment ce que j'ai fait, c'est vraiment pas ouf. Pour l'instant je suis vraiment à la traîne quoi, j'ai pas réussi à faire ce que... En vrai j'ai voulu faire un live espérant même ça motiver à jouer, mais au final ça m'a pas motivé, ça m'a plus déprimé vu qu'il y avait personne tu vois. Donc c'est compliqué, mais bref, n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux Insta, Discord, Twitter et Snap. Au moins vous pouvez me parler, me poser des questions, tout ce que vous voulez, vous montrer, me montrer vos équipes, tout. Voilà, ça peut être intéressant. Enfin bref, on laisse là-dessus. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.